Re-salut à tous les amis, c'est Creepy5. Donc aujourd'hui, pour cet après-midi, on se fait une vidéo réaction sur les parodies avec la chaîne YouTube de CPN, dont il a fait des parodies vraiment comiques. J'ai déjà vu celui de Toy Story, Astérix et Cajoline. Mais si vous voulez que je vous les remontre un de ces quatre, je vous les remontrerai. Mais pour l'instant, on va se faire Bisounours. C'est parti! C'est elle, on y va les gars. Oh, c'est quoi ce délire? N'aie pas peur, nous sommes Lolita 13. On est là pour te 13, donner c'est une quoi ça? petite leçon. Non mais moi je devais retrouver ma copine Flo. Et à la place tu te retrouves avec nous. Oh. Tu le vois le danger là? Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Prenons-moi par exemple, je pourrais être un prédateur. D'ailleurs, ne suis-je pas un ours? Justement c'est flippant. Tu as été une vilaine fille. Je suis désolée, mais mes parents surveillent pas ce que je regarde. Oh, je crains qu'il ne soit un peu tard pour les regrets. Oups! Et en moins de deux, tu te retrouves à l'arrière d'une camionnette. Reculez, s'il vous plaît. De toute façon, il faut que je rentre, sinon je vais être punie. C'est ça le très truc. bien que tu parles de punition, ma chère enfant. Viens, rapproche-toi de moi. Vous allez me taper. Te taper? Mais non, voyons. Ne t'en fais pas pour tes parents. Tu ne les reverras plus jamais, jamais. Pourquoi? Déjà que je les vois pas souvent. Oui, mais là tu les verras au cimetière quand ils viendront sur ta tombe. Oh my god! Oh my god! Alors là je suis choqué! Choqué! Oh my god! Bon, on va se mettre la passion de Noël. Là je suis choqué. Je suis choqué. Ils l'ont chopé, ils l'ont chopé dans lui. Tu vas parler. Zahot, elle est où? Elle est où ta hotte? Ah, elle est dans ton cul avec mon traîneau. Oh, tu vas nous dire où sont les cadeaux, enculé. Vas-y. Putain, je douille. Bon, retournez-le, on va l'azur à l'île derrière, ça fera oh, pas mais... Hey, j'ai un mot pour vous, les gars. Ressuscité! On lâche tout. C'était un peu trop vulgaire. Mais bon, c'était vraiment choquant. Surtout avec le truc dans le pied. Oh putain. Alors ça, j'en ai des douleurs. Bon allez, on va se regarder Clean McFly. Je croyais que c'était mis de plus foutre les pieds ici. Ben, t'es pas si Miss McFly. Sûr que tu lui ressembles. Surtout avec ce galura à la noix. Tes parents avec ce coupe-poing. Ton nom c'est quoi, pied tendre? C'est pas de Retour vers le futur, la voix? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, le mug? Mais t'as dit que c'est l'avorton de la couvée. Eh hey, oh les gars, visez-moi. T'aurais pas vu par hasard ce sale voleur de Maréchal Ferrand dans le cou? Non, monsieur Tannen, je l'ai pas vu. Tannen? Vous êtes Molos Tannen? Ce nom, je l'encaisse pas. Ça m'a enragé, t'entends? Personne m'appelle Molos. Molos. Encore moi, une espèce de mouche à merde déguisée en arbre de Noël. Déguisée en arbre de Noël. Allez, on va se regarder encore et encore. Franchement, j'en pète de rire. Combien de lettres se compose l'alphabet? K-L-M-N-O. Pourquoi tu regardes ça? Je regarde parce que ça me détend. Je me sens intelligent. Pas comme eux. La France entière va se moquer de nous, en fait. Ils sont tellement cons que... Ouf, Mon chien! Tu vas chialer? D'accord. Tu vas chialer? S'il te plaît, remets le sac plastique. Hein? Tu vas chialer? Oh mon dieu, allez, encore une autre. Appelez-moi le directeur! Monsieur! Brisé, mon vase chinois, vous êtes d'accord? Je dirais même broyé. Agression, cambriole là? Non, c'est moi qui l'ai cassé tout seul, bêtement. Et là, bien sûr, je ne suis pas remboursé. Si, à la MAF, vous l'êtes. Avec votre assurance habitation Tempo. Ah bon? Même si. Bêtement? Même si, bêtement. Autre chose? Oh non? Je peux. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. C'est la. Ok. Oh, ça a l'air bien ça. Je crois que c'est avec Sparta. J'adore ça. Ah, Sparta. Je peux voir votre invitation? On est là pour le spectacle. Nope. 50 euros? Russell.
Russell, mon ami. Yalla, lève-toi. Et c'est gentil de venir à la bar mitzvah de mon fils. Tu comprends, Lady Gaga était pas libre. Alors vas-y, fais ton show. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais tiep. Je sais pas chanter. Voilà, c'est dit. Hey, mais vas-y, tu te fous de ma gueule. Et bouffon, t'étais mauvais dans Noé Salgoy. Doit bien y avoir une chanson que tu connais. Ouais. C'est là où il va chanter, non? Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Et c'est fini, wow, wow, wow. Ça me rend fou, j'ai cru en ton amour et je perds tout. Vas-y, mon voleur. Je suis dans le noir et... j'ai du mal à croire au gris de l'ennui. Et je te crie, wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous les videurs. Et hop, t'es mort. Voilà. Une bonne chose de faite. Qu'est-ce que c'est ça? Kino Wars. Ok, on va voir ce que c'est. Oh my gosh! Si t'aimes Dieudo. Je connais pas. Eh, quoi? Tu connais pas Dieudonné? Mais t'as Dieudonné. Pas la télé ou quoi? Dieudonné du chocolat. Moi j'aime bien Dieudonné. Il fait des quenelles. J'ai jamais goûté. Des quenelles? Mais je t'en glisse une. Laissez-moi me présenter, je suis Manuel Valls, et vos propos me dérangent au plus haut point, jeune homme. D'autres amateurs de quenelle? Personne? Vous? Ah, vous rigolez moins. Ah, vous rigolez moins, hein? Ah oui, on rigole moins. Bah ouais, tu vas moins rigoler, là. Allez, encore en... On s'en fait encore un pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Max! C'est bon. J'ai envie! C'était que... Oh putain, mais c'est dégueulasse! T'es dégueu, mec! Goodbye Vietnam, hello USA. Bon allez, 2 minutes 1, ça va le faire. Allez les gars, on s'arrache. Eh, c'est vos chefs qui nous les cassent comme ça là. Non, ça bug un peu. Alors, ce jingle, il arrive? Non. C'est parti. Il est 8h, vous écoutez bien RTL. Tu t'appoins sur la météo. Oui, alors ton nuage aujourd'hui a des risques d'hélicoptère et possible bombardement en fin de journée. Hey. Hey gamin, j'ai un truc à te dire, mais tu le gardes pour toi, d'accord? Non. J'ai pas la moindre foutue idée d'où on va. Quoi? T'inquiète pas, la politique du gouvernement dans ce cas, c'est que dans le doute, tu fais tout péter. Mais mets de la musique, ça m'aide à me concentrer. America. America, America. We're all living in America, America. It's wunderbar. We're all living in America. Ça c'est bon. C'est encore mieux que celui de la diarrhée. Alors là. Allez, baisse le son, pauvre con. T'es en plein survol d'une zone pavillonnaire. Va chier dans ta caisse. Augmente le son. Oh putain. Oh putain, j'adore cette chanson. Oh putain. Vas-y, dans le ciel, mon cul. Oh putain. Il y en a un qui s'échappe. Ça, c'est une bonne parodie. Franchement, j'adore. Oh putain, je suis le Star Star. C'était pas ta guerre. Mais là, vous allez dire, il reste un cratère. Un gros cratère. Il me semble qu'ils sont avec nous, ceux-là, mon général. T'es sûr? Moi, je vois personne. Putain de ta mère! Arrête de chouiner, mon petit gars! Tu es ce qu'on appelle communément un dommage collatéral! Fais-lui mal, Johnny! Ça, c'était salaud! Fais-lui mal, Johnny! La police de l'humour! Ok, c'est parti! Dans le monde d'aujourd'hui, l'humour est un sujet particulièrement sensible. En France, les pisse froids qui pinaillent sur l'humour se réunissent en communauté, appelés les bien-pensants. Voici ouais. Leur...
Le chef d'accusation est sûr. Vous avez fait rire Monsieur Bruno Mulet en faisant l'idiot. Il m'a fait rigoler. J'ai jamais ri comme ça. Pourquoi vous avez fait ça? Vous n'avez pas honte de l'horreur infligée à ce citoyen? Ça réveille en moi des émotions. C'est de l'humour. Quel rapport? Mais ça la fait rire, c'est plutôt une bonne chance ça, non? Et puis qui dirait non à se payer une bonne petite tranche de déconnade? Oui, mais sans sa permission. L'humour requiert du sérieux, un hein? P, ça ne me fait pas rire, un hein? P peut modifier l'empreinte carbone de la planète entière. Oui, je peux vous montrer un exemple si ça vous dit. Ok. Ça marche pas à tous les coups, il faut un contexte. Vous êtes pas fait assez mal cette fois-ci. C'est juste. Recommencez. Recommencez à vous faire mal. Oh maman. Allez, du X-Men, ça va passer. 37 secondes. Bon, ça passe. C'est la télé. Y'en a qui regardent le match, connard. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Que je suis poilu? Non, je pensais à autre chose. Concernant votre squelette. On m'a raconté des choses. Voyez-vous ça? Genre mon squelette, c'est du métal? T'es bonne? Pas là, non. T'es bonne? J'ai une bite en acier. J'en doute. Ah putain. Allez, on va s'en faire une petite dernière, c'est bon. Hein. Et je te parle. Dickens, motherfuckers. Ça mène de ouf, je te dis pas. Monsieur, les téléphones sont interdits à bord. Confisqués. Donne-moi ça, connard. SNCF, vous prendre pour des cons, c'est notre métier. La police est en chemin. Désolé pour vous emmerder. Ah, c'est bien trouvé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo de l'après-midi. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de CPN. Il fait de bonnes parodies. J'essaierai d'en refaire des vidéos réactions sur CPN la prochaine fois. Je vous dis à tous à très bientôt. Ou peut-être, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.